Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises. Un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser, discuter, même parfois se disputer autour des comédies françaises. Et aujourd'hui, et ce pour encore deux jours, c'est donc le deuxième épisode de nos aventures à l'Alpe d'Huez. Donc le point névralgique, le là où tout se passe. C'est le G-spot de la comédie française, j'ai envie de dire, de la rigolade. À émission spéciale, dispositif spécial, je suis Daniel Andreev et à mes côtés, j'ai le mec à qui j'ai passé le plus, j'ai vu le plus de films de l'année, Max Besnard. Salut Daniel. Et celui grâce à qui on a des immenses réducs à l'Alpe d'Huez, puisqu'il est connu comme le loup blanc. Tous les gens se prosternent quand il passe. Oui. C'est François Coe. Coucou. Juste, j'habite là en fait. Comme c'est une petite ville, voilà, c'est ce que je vous ai expliqué. Mais c'est pratique pour le prix des pizzas, tout ça. C'est voilà. Et aujourd'hui, on va parler des comédies qu'on a vues. Et on en a vu beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas? Oh là oui. On a vu 3 comédies. Tu dis comédie, toi, pour les 3. Alors, on rentre pas tout de suite dans le débat. Je vais dire d'abord les titres. Et on a vu Comme des garçons de Julien Allard, un premier film. Mm-hmm. On a vu ensuite la finale de Romain Six. Saïx, je crois que c'est Saïx. Un premier film aussi. Et on a vu, pas un premier film, Les Aventures de Spirou et Fantasio. Mm. Et alors, en hommage à nos plus jeunes auditeurs, on va commencer d'abord par lui. Alors, c'est bizarre parce que d'habitude, on garde le meilleur pour la fin, d'après le dicton, non, Sébastien ? Je sais pas. Non, là, j'ai décidé qu'on allait parler de celui-là. La grimace de François, c'est oui, parce qu'après, on a un tunnel de foot, tu vois, qui arrive. Oui, parce que beaucoup de comédies parlent de foot aujourd'hui. Sauf Les Aventures de Spirou et Fantasio, d'Alexandre Coffre, avec un casting vraiment alléchant. Avec, bah, y a Alex Lutz dans le rôle de Fantasio, il y a Géraldine Nakache dans le rôle de Sécotine, il y a Christian Clavier dans le rôle de Champignac. Et on va le spoiler tout de suite, un fabuleux Ramzi Bedia en Zorglub. Le fait que tu ne dises pas Spirou est assez éloquent, je trouve. Alors, c'est Thomas Oliver, voilà, qu'on a vu l'année dernière dans Mon Poussin, voilà. Dans Sale Gosse. Voilà. C'est soudain devenu le mec un peu lunaire, le jeune. Enfin, un peu faux jeune, je dirais. Depuis que Vincent Lacoste est trop vieux. C'est un Vincent Lacoste mainstream, ouais, voilà, tout à fait. Il est complètement streamliné. Ils font. On l'utilise un peu dans toutes les comédies. Et là, c'est un peu son premier grand rôle où il joue Spirou. Et alors, rien à voir avec les aventures du petit Spirou. Non. Ouais, pour le coup, c'est pas du tout. Alors, on a eu la confirmation tout à l'heure après la séance. On a pu poser la question au réalisateur directement. Il n'existe pas de Dupuis Cinematic Universe. C'est une fantaisie que vous avez créée de toutes pièces. Merci François, c'est exactement ça. Non, il n'y a eu aucune synergie entre les équipes de production et de réalisation des deux films. C'est-à-dire le petit Spirou qui est sorti en septembre dernier et ces nouvelles aventures c'est même pas nouvelle d'ailleurs, c'est les aventures de Spirou tout court et Fantasio. Donc, non. Pas de synergie entre les équipes. Et du coup, c'est un peu bizarre. C'est assez dingue en plus, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça très, très bizarre. Ce serait logique, quoi. Et oui, puisque là, c'est. Alors, peut-être qu'on peut préciser. Je crois que les droits sont gérés de manière différente, en fait, simplement. Alors, il y a sûrement ça. On peut préciser sans trop spoiler qu'on a. On ne spoil pas. On ne spoil pas. On peut simplement dire que c'est une origin story. C'est la première rencontre entre Spirou et Fantasio. Et alors là, on va tout de suite entamer un débat tout de suite. Sachant que, terminer là-dessus, le petit Spirou, le film donc qui est sorti en septembre dernier, c'est l'origin story du petit Spirou. Et donc c'est d'autant plus étonnant que les films... Non mais j'insiste là-dessus parce que ça m'a vraiment étonné que les deux films ne soient pas liés dans leur production. Mais bon bref, peu importe, c'est comme peut-être que c'est Ra's al Ghul qui est derrière tout ça. Alors, on va tout de suite rentrer dans le débat. Spirou et Fantasio. Je vais vous dire Spirou ou Fantasio. Aha. Il y a une vraie scission dans l'équipe. François, tu es team Fantasio ou team Spirou ? Je suis team Spirou, mais par défaut. Vraiment, parce que le gros problème du film, c'est les deux personnages titres, en fait. Je trouve qu'il y a un miscast assez incroyable, qu'il y a une absence de synergie plus incroyable. Et en fait, moi, le film, ce que je préfère, c'est quand ils sont pas là, et ce qui est un peu dommage, déjà. Et puis surtout, ça permet aux autres acteurs de... Ça présente un quart du film, quoi. Le reste, les autres acteurs, que ce soit Ramzy, Christian Clavier, Géraldine Nakache, qui sont tous très bons, même dans une certaine mesure en étant très tolérant, Vincent Desagna et j'ai oublié le nom de l'actrice. Charlotte Cabris.
Jean-Gabri. Voilà, tout ça, c'est intéressant. Il y a une espèce de, d'approche esthétique second degré à la Michel Hazanavicius dans le deuxième OSS 117. Mmh. C'est surtout les fondus enchaînés et le style de mise en scène qui m'y ont fait penser. Surtout que ça va vite. Hein. Tu sens que il y a les aventures de Tintin, en fait, qui sont passées par là. Le film en image de synthèse, j'entends. Ça, genre, ça va très vite. Il y a un désert en commun. C'est très, très wink-wink. Course-poursuite comme ça, c'est vraiment, il y a course-poursuite, elle ne s'arrête jamais en fait, les course-poursuites. Et du coup, en fait, du fait de tout ça, de tout ce télescopage et de ce miscast, de ce gros problème des acteurs principaux, il y a la question qui se pose du à qui ce film s'adresse en fait. Vous étiez là quand le petit garçon est sorti de la salle en disant Alors, je tiens à dire, il y a un petit garçon qui est clairement sorti déçu parce qu'il croyait que Spirou et Fantasio, ça allait être un dessin animé. Ouais. Et alors, là, Max. D'après toi, à quel âge ça s'adresse en fait parce que on s'est regardé pendant les séquences, il y a des moments où il y a des gens qui éclatent. Bah, on en parlait dans l'émission précédente de MDR, la spéciale Apple II, on en parlait justement de ça, de est-ce que le Spirou et Fantasio, ça allait être un film qui allait s'adresser aux adultes, aux adolescents ou aux enfants. Le fait est que le petit Spirou s'adresse totalement aux enfants et même aux très jeunes enfants, et que bah, les aventures de Spirou et Fantasio, c'est un petit peu, ça va un petit peu dans tous les sens, ça vise un petit peu partout. Il y a des phases qui sont très violentes. BD. C'est vraiment de la BD, c'est vraiment de l'humour de BD. Ça, oui, mais il y a des phases qui sont quand même peut-être pas très violentes, mais des phases qui sont assez violentes, je trouve, tant dans le propos que dans le dans la violence graphique. Pour autant, il y a beaucoup aussi de blagues en dessous de la ceinture, des choses un petit peu. Il y a beaucoup d'innuendo sexuel tel point où à un moment je me suis retourné vers toi, tu es mon témoin, et je me suis dit mais. Elle le touche ou alors elle le touche certes, mais elle le touche le ventre. D'accord, ok, elle le touche le ventre. Ok, d'accord. C'est ton imaginaire qui a fait. Non, mais il y a beaucoup d'innuendo sexuel et je comprends parce que ça s'adresse aussi à des adultes. De fait, il y a énormément de références à la BD. Il y a le Spiroucopter qui est abusivement utilisé. Il y a Zorglub. Il y a des petits clins d'œil assez intéressants. Je veux rassurer quelques fans quand même. C'est des petits clins d'œil rigolos comme par exemple les sous-titres. Il y a un jeu sur les sous-titres à un moment. C'est plutôt malin. Je suis assez fan de Spirou. Pour ma part, pour moi, Spirou, maintenant, c'est devenu un personnage un peu j'allais pas dire lambda, mais ça a devenu un archétype. Mais complètement. C'est-à-dire que dans la BD, on l'a vu maintenant, dans Spirou vert de gris, il se bat contre des nazis. Il y a Spirou chez les ninjas, enfin chez au Japon. Et on peut faire n'importe quoi, et du coup, Spirou maintenant, il est devenu presque ça en fait. C'est-à-dire, tu peux faire n'importe quoi. Ouais. Alors c'est justement pour ça qu'à mon sens, l'acteur qui incarne Spirou fonctionne très bien. C'est justement parce qu'il a ce côté finalement pas très très pas charismatique, c'est méchant parce que je trouve qu'il dégage quand même quelque chose à l'image, mais c'est un acteur relativement lambda en tout cas dans ce rôle, et du coup ça fonctionne pour moi parce que Spirou pour moi c'est un personnage qui est quand même assez lambda, c'est pas un personnage très fort je trouve. Alors je vais, c'est très personnel comme, vous êtes positionné en team Spirou, je suis team Fantasio aussi par défaut, mais pour une raison simple, c'est que Spirou, et ça c'est dès le début donc je ne spoil rien, Spirou est un voleur. Oui. Et genre, il y a vraiment un problème moral du fait que, merde, Spirou est un putain de voleur qui vole les bijoux de la Castafiore, il vole les portefeuilles et tout. D'ailleurs, il n'y a aucune putain de morale. Il y a un gang, il pense qu'à voler un truc qui coûte super de l'argent. Enfin. Et je sais pas si toi ça t'a marqué François, mais il y a une phase justement où tu le vois en train de faire du pickpocket. Qui moi m'a particulièrement choqué en fait. Fantasio est en train de lui faire la leçon de morale en disant mais attention, tu te rends compte, tu as volé quelqu'un qui va pas pouvoir payer d'études à son fils, etc., etc. Ils reviennent jamais dessus. Tout à fait. Ça m'a vraiment choqué. Mais ça en fait c'est le, je saurais même pas redire. Enfin moi j'étais absolument à des lieux de ces questions de respect par rapport au matériau de base. C'est-à-dire que les deux acteurs sont tellement miscastés, le film part tellement en roue libre par rapport à son influence que moi j'ai même pas vu Fantasio, moi j'ai vu Alex Lutz qui fait du Alex Lutz quoi. Exactement. Qui fait de l'impro complètement naze, ce que vous appelez le point à gueule, enfin les petites impros, tu vois, où ils sont un petit peu de personnages, tu vois, comme typiquement dans certaines scènes de OSS 117, tu vois, quand moi ce qui m'a c'est très OSS Comics quoi. Ce qui m'a sauté à la figure finalement, ça pourrait passer pour un compliment mais... oui bien sûr, ce qui m'a sauté à la figure finalement c'est que Alex Lutz, pardon c'est pas facile à prononcer, est un très très bon comique. Moi j'aime beaucoup son travail en général sur scène, Catherine Hélène, etc. Je suis très client de ça, mais c'est pas forcément au cinéma, un comédien encore accompli. Alors peut-être que ça viendra, mais là pour l'instant peut-être qu'il est encore un peu dans son propre film qui raconte un peu sa life. Il refait un peu ses sketchs, il fait le mec qui marque, qui fait le cheval et des choses comme ça.
Je veux quand même revenir sur Ramzi Bedia qui est extraordinaire. À fond les ballons. Comme d'habitude. Il est là un quart d'heure, quoi. Mais il a le rôle de sa vie. Non. Non, non parce que le rôle de sa vie, c'est Steak. Parce qu'il ressemble de plus en plus à son personnage de Steak. Ça, je sais pas si ça vous a frappé, mais. Non, mais il est génial, il est machiavélique. On sent qu'il s'amuse à le faire, je crois. Ouais, ouais. Et les scènes qu'il partage avec Christian Clavier, qui n'a pas beaucoup non plus de scènes, on voit pas beaucoup, hein, Christian Clavier. Non, mais c'est un méchant absolument génial, vraiment. Je pense que, en général, quand tu fais un film de comics, en général, il faut réussir le méchant plus que le gentil. Ouais. Et dans ce sens-là, Ramzi Bedia, il fonctionne. Je trouvais que le film était assez bien réalisé. Enfin, il y avait vraiment une patte. C'est propre. Je trouvais que pour un film d'action français, ça tapait assez bien. C'est propre, mais c'est vraiment les mêmes effets que le deuxième OSS 117. Quoi. Sur les fondus enchaînés, l'utilisation du split screen. Dans OSS, ça avait du sens, en fait, parce que c'était un hommage à ça et c'était une mise en abîme dans la scène. Là, c'est juste de l'épate, en fait. C'est juste, on fait la même chose. Quoi. Ouais, c'est, bien sûr. On va pas revenir dessus sur Spirou et Fantasio. Sachant que c'est quand même deux héros un peu teubés qui finissent sauver, genre qui sont partis pour sauver le monde, ce qui s'est déjà vu un peu des milliards de fois. J'espère que vous avez une bonne culture foot pour ce qui suit. Parce que Comme des garçons de Julien Hanard, donc un premier film, réunit Max Boublil et Vanessa Guide, Bruno Lochet et plein d'actrices, puisqu'il s'agit d'une équipe de foot féminine qui se forme à Reims. 71. Ouais, en 69, me dit. En fait, je crois que ça s'étend sur 200, je sais pas. Based on a true story, donc on est forcé de. C'est ça, leur premier match officiel 71. Ouais, on est forcé d'aimer, donc forcément. J'ai eu pas mal de petits pépins avec ce film. Tu veux te lancer, Max, peut-être? Alors l'intention de départ est quand même plutôt bonne, le délire un peu suffragette, un peu les droits de la femme, etc. Je trouve que c'est absolument primordial ce genre de sujet, surtout à notre époque. Pour des gens qui connaissent pas l'histoire comme exactement. Comment, en fait. Pour le coup, j'étais ravi de voir qu'à la fin c'était quand même basé sur des choses relativement vraies a priori. Par contre, ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est que c'est un film qui est écrit par un homme et ça se ressent beaucoup, ça a été écrit par un homme. Je me suis fait la réflexion tout au long du film sans me poser la question avant de savoir si ça avait été si c'était un réalisateur et un scénariste masculin, et le fait est que c'est le cas, je l'ai vu au générique de fin. Donc zéro surprise à ce niveau-là et pas mal de déceptions plutôt. Et puis surtout, c'est le par le prisme de Max Boublil. Mais absolument, c'est le film gravite autour d'un personnage masculin et ça me pose un vrai problème. François? Alors, ce qui me pose un vrai problème, c'est Max Boublil. C'est-à-dire qu'on a essayé. Toi, t'es fait. Pas fan. Moi, je trouve que. On a eu l'expérience Max Boublil, on a essayé, ça n'a pas marché. Pourquoi recommencer, en fait? Justement, on va partager son. Dès la première scène, quoi, il fait son lover qui drague la petite caissière du stade, je fais, oh non, c'est le numéro qu'il exécutait déjà sur YouTube il y a 10 ans, quoi. Alors, je trouve que Max Boublil joue bien l'arrogant connard. Et dès qu'il essaye de faire un peu l'acting, dès qu'il a l'air de pleurer un petit peu, tout de suite, j'y crois pas des masses. Je trouve que l'arrogant connard, il maîtrise. Il est assez totem de tous les problèmes du film. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est basé sur des bonnes intentions, sur un bon sujet qui pourrait être intéressant, mais qui est tout est tellement rentré au chausse-pied, quoi. C'est-à-dire qu'ils te font tous les clichés. Ils te font une. Elle est trop bien. Je sais pas si vous voyez Steen Movie. Avec Rachel Lee Cook. Absolument. Où il y a une jeune fille absolument sublime qui a juste une queue de cheval et des lunettes et tout le monde la trouve trop moche. Puis tout d'un coup, on lui enlève ses lunettes et elle est magnifique. C'est Vanessa Guy dans l'occurrence. Et voilà, là, ils refont ça, mais juste avec un t-shirt avec marqué France Mode dessus. Je spoil la moitié, mais le sac des poètes disparu au Capitaine, mon Capitaine, tu vois. Mais sans rien dire, ils te montrent les images de la vraie équipe à la fin, et puis même dans la caractérisation des personnages, mais c'est tellement cliché, quoi. Enfin, c'est le. Et forcément, il y a même un personnage intéressant, qui est la nana, ou qui dit ouais, mon mari partage les tâches et tout machin, et tu vois le mari, forcément, c'est une mauviette, tu vois, quoi. Enfin, ils te font, mais des clichés où tu te fais, mais t'es limite gêné, en fait. Et le personnage de Max Boublil, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que c'est son archétype qui reprend depuis des années et des années, qui juste là est inséré dans cette fiction pour les besoins de la fiction, et. Franchement, tout est tellement fonctionnel, tout est tellement déjà vu, mais après, il y a un truc un peu vaguement sympa. Il y a une attention, en tout cas, qui est quand même assez positive et fraîche et intéressante. Je trouvais qu'il y avait aussi...
peut-être des idées, je sais pas. En tout cas, il y avait une certaine volonté de faire des images qui sortent un peu de l'ordinaire de la comédie française. Tu vois qu'il y a quand même une photo qui est un petit peu travaillée. Tu vois. Alors après, c'est maladroit. Il y a des fonds verts un peu moches. Il y a énormément de faux raccords. Il y a plein de choses comme ça qui tombent un petit peu en vrac. Puis c'est dur de filmer. Mais il y a quand même une vraie volonté de faire quelque chose de différent. Et rien que pour ça, je trouve que ça mérite d'être salué. J'ai mon souci principal, c'est, j'adore les films d'époque en fait. J'adore surtout les films d'époque fin années 60, début 70. Je ne crois qu'en Mad Men en fait. Et je trouve que ce genre de fiction est indispensable parce qu'on se rend compte qu'à l'époque c'était vraiment horrible d'être une nana en fait. C'est ça le message aussi de Comme des garçons. Elles n'ont pas leur licence de foot et leur but c'est à la fin de récupérer leur licence de foot. Elles n'ont même pas le droit de jouer en amatrice de base. Elles sont obligées de demander une autorisation écrite de leur mari. Ouais. C'est incroyable. C'est-à-dire que ça, je vois le truc, je fais oh, putain, c'est intéressant ça, tu vois, comme ça. Sûr. Sauf que ça devient un gag. Tu vois, ça devient juste un truc fonctionnel dans la narration. Et du coup, j'ai un tout petit peu de mal parce qu'en termes d'écriture, je trouve que c'est un peu ce que j'appelle du time dropping, c'est-à-dire beaucoup de phrases qui sont là pour te rappeler qu'on est dans une certaine époque. Genre, ah, 69, les mini-jupes. Ou alors, on va te passer le JT de l'époque, enfin le faux JT de l'époque. Il y a beaucoup de petits effets d'artifice pour te rappeler qu'on est dans une époque. Et évidemment, c'est pas Mad Men. Hein, est-ce que ça vous a plu? Moi, ça m'a beaucoup fait rire. L'équivalent du cercle hippie. À un moment, il y a la fameuse scène de le montage où il va reconvaincre les jeunes filles de remonter l'équipe. Enfin, le truc complètement cliché, encore une fois. Et il y a un espèce de cercle hippie. Mais où, au lieu de la guitare, il y a un accordéon. Moi, ça m'a beaucoup fait rire. C'est peut-être anecdotique, mais ça m'a beaucoup fait rire. Voilà. Tu veux dire la chanson lourdingue qui revient du début à la fin? Aussi, oui. Alors, on s'est gardé. Je sais pas si c'est le meilleur pour la fin. Donc, la finale. Aussi un premier film. Avec Thierry Lhermitte et Ryan Bensetti. Alors, Ryan Bensetti qui. C'est un peu la nouvelle génération des. C'est un peu. Il la joue comme. Play it like Kev Adams, un petit peu. Bah, complètement. C'est-à-dire, c'est un jeune souriant, mais en même temps, qui gueule un petit ronchon un petit peu. Il la joue vraiment un peu comme Kev Adams. Et donc, il se retrouve à s'occuper de son. Alors, vous allez voir, grosse déconne. De son grand-père qui est touché d'Alzheimer. Alors que lui doit aller jouer sa finale de basket. Il y a énormément de textes et de sous-textes pour une comédie. Et en vrai, pendant que ses parents sont arrêtés pour excès de vitesse et alcool sous l'emprise de l'alcool, ouais, parce qu'ils sont en liquidation judiciaire, lol en bar, ouais. Et que son père ne l'a pas, n'était pas présent quand il est né, et qu'ils ne l'ont jamais vu jouer au basket. Enfin... Et donc, le grand-père Alzheimer, c'est Thierry Lhermitte, qui est un raciste notoire. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Arrête de salir. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Tu salis tout ce qui est beau. C'est Alzheimer qui le rend raciste. Ah, oh, bien voilà, sûr. C'est ça, ouais, c'est ça. Non, en fait, le truc, c'est que, donc, je l'appelle Ryan, mais je ne sais plus du tout comment il s'appelle dans le film. Bon, donc Ryan, JB comme le whisky, bien vu. Va tout faire pour retourner à Paris où se joue son match capital, ouais. Puisque il est censé affronter Levallois qui est oui. On n'a rien contre Levallois, attention, précise. Ah, alors rien ouais, contre les gens qui habitent à Levallois, ouais. Sauf deux personnes sauf deux personnes qui dirigent la ville. Pas de politique. Mais cependant, donc, ce match capital contre le Valois, il va tout faire pour y aller. Mais il va faire des gros détours et tout. Et presque le chemin est assez rigolo. Le seul problème, c'est que... Enfin, le seul, non. Mais en tout cas, le problème principal, c'est que faire rire avec Alzheimer, c'est très compliqué. Et je trouve que les passages émotion fonctionnent mieux que les passages... rire en fait. Ça aurait fait un drame absolument magnifique. En toute honnêteté, ça aurait fait un drame magnifique. On est à deux doigts d'amour quoi. Non mais il y a quelque chose de oh la vache, amour avec Thierry Lhermitte avec un fond anti-Balkany. Pour être tout à fait sérieux, il y avait le matériau pour faire quelque chose de très très bien, de très touchant, de très pudique, sauf qu'ils se sont vautrés dans des tentatives de comédie complètement ratées, et ce mélange, il est vraiment indigeste. En plus, ce film est long, il est lourdingue. Il fait 1h25. Ah non, dans la salle, moi j'avais l'impression que ça avait duré 3h. J'avais l'impression que c'était la version longue du Titanic, quoi. C'était horrible. Les passages de comédie ne fonctionnent pas. J'aimerais juste dire que, par contre, au niveau émotion, ça a fonctionné dans la salle. Il y a vraiment eu une. Oui, bien sûr. Ouais. Il y a vraiment eu une ovation pour ce film. Je crois qu'il a beaucoup plu. Hein, je peux comprendre que ça ait beaucoup plu parce que vraiment, il joue sur des cordes sensibles, c'est-à-dire.
C'est envoyer la note mort. Envoyer la note de piano dès qu'il faut commencer. Les musiques ne sont à pleurer, pas de Vladimir Cosma en plus Sûrement. Je crois que c'est Vladimir Cosma. Avec au moins Vladimir Cosma. Ouais. Non, mais en plus, avec un plot twist qui t'en rajoute dans le pathos. Enfin, à partir en fait de 45 minutes, j'ai regardé, le film renonce à être une comédie. C'est-à-dire dans quelle mesure ce film n'est pas une comédie par concession à un genre, pour se vendre plus facilement, tu vois quoi. Il n'y a plus aucun gag à partir de 45 minutes. Tu es en train de dire qu'ils ont mis 3 vannes pour pouvoir être à l'Alpe d'Huez, c'est ça? Théorie du complot. Théorie du complot. Mais c'est pas du tout un film que je qualifie à une nuit. Je pense que c'est un film conceptuellement qui n'est pas une comédie. Ouais. C'est pas une comédie. Pour moi, si je le vois sur Allociné, il faut que ça soit une comédie dramatique. Quoi. Les ressorts comiques du genre, lui qui emmène son grand-père et tout, c'est de l'ordre de intouchable, quoi. Ouais, il y a de ça, bien sûr. C'est ça que ça visait, quoi. Bien sûr. Et en plus, je suis pas devin, mais je pense que ça va faire beaucoup d'entrées. Encore une fois, il y a beaucoup de choses intéressantes dans... Non, mais enfin... Vous me déprimez, quoi. mais en plus, c'est-à-dire que je vous écoute et je me dis c'est vrai. C'est-à-dire que ce film va remporter peut-être le prix du public, peut-être un grand prix, peut-être faire des entrées, mais... Ça se passe pas à la montagne, je sais pas si... Si on se base sur les réactions, en tout cas, pour l'instant, de premier jour du festival... Mais c'est déprimant, parce que la deuxième moitié de ce film est... Oh la vache, quoi. C'est de la prise d'otage affective. À quel moment tu t'as posé ton épaule sur... Moi, c'est cette scène de justement le plot twist dont on parle. Ah oui, donc qui est lié à. Voilà, on va pas le révéler ici. Non, mais ouais. Vers la fin du film, il y a vraiment. Moi, il y a des moments où j'ai fait. C'est pas possible. C'est ce que je déteste en plus dans le drame, c'est-à-dire les gens qui s'envoient à la figure des choses qu'ils savent déjà en les verbalisant comme s'ils ne les savaient pas pour le spectateur, tu vois, quoi. Enfin, c'est des trucs, mais des mécanismes dont j'en ai marre, tu vois, quoi. Enfin, peut-être parce que je suis vieux. T'es dans la montagne. Je suis dans la montagne. Je te rappelle que t'es le plus jeune de nous trois. Que j'ai passé 40 fois la fin du bélier. Enfin, bon, bref, voilà, c'est. Ça m'a déprimé ce film, quoi. C'est. Mais pas dans le bon sens. Je pense que ça va en déprimer. Hein, Bien sûr, ouais. C'est évident. Donc, on n'a pas été complètement séduit, c'est le cas de le dire. Mais pour moi, le gagnant de la journée, clairement, c'est Spirou. C'est Spirou, vraiment. Ouais, Spirou aussi. J'aime bien la formule de amour du film de basket, quoi. La vérité, c'est que la chose la plus drôle qu'on ait pu voir aujourd'hui, en vrai, c'était la prise de parole de Ramzy après la projection. Ah, il était avant et après. En fait, la projection de Spirou, il était extraordinaire. La vanne qui m'a fait le plus rire dans la finale, moi, c'était une vanne liée au PSG, donc je me suis dit où est-ce que je suis, jusqu'où je suis tombé. Elle était vraiment bien, par contre. Non, okay. J'avoue, dans la finale, il y a une scène qui m'a fait mourir de rire, c'est quand ils reviennent. Je sais pas si Non, pas spoil. Il y a une scène qui t'a fait mourir de rire, c'est déjà bien. Non, mais j'ai vraiment gueulé. Et je t'ai précisé, je te l'ai dit. En plus, je dis, ah, ça, c'est drôle. Ah oui, je sais très bien. Bon, je crois qu'on s'est tout dit pour aujourd'hui. Demain, j'attends en particulier le doudou. Évidemment. Avec Cadmérade. Tu attends autre chose. Arrête de mentir, attends le film de Dieu. C'est vrai, demain, il y a Dieu. Dieu Franck Dubosc va montrer son film. Et je peux dire que ça va être une belle journée demain. Ah bah oui, tu m'étonnes. Donc revenez pour notre épisode 3 de notre saga. Je remercie, j'ai pris l'habitude maintenant de remercier Max pour son assistance à la technique, c'est le roi. C'est toujours un plaisir. Le roi de l'anti-saturation. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast et sur toutes les applis dédiées au podcast, SoundCloud. Merci de vous abonner, d'en parler autour de vous. Et merci à l'Alpe d'Huez de garder encore en fait ces séances ouvertes à tout le monde en fait. Moi, je trouve ça cool quand même qu'un festival, si tu fais la queue, tu peux y aller. Alors, juste pour la précision d'ailleurs, parce que bon, évidemment, c'est peut-être important aussi de parler de ça. Putain, c'est notre intro la plus longue là déjà. Ouais, non, je suis désolé. Balance. Mais les séances sont en partie en public. Ouais. Et c'est vrai qu'avec avec Daniel, quand on va voir les films, on peut choisir entre deux salles à chaque fois pour le même film. Une salle avec le public, une salle sans. Et c'est vrai que nous, on préfère en général aller voir plutôt les films en public. Et plus que ça, on va dans la fosse. On va dans, dans les estrades avec les gens. On s'extirpe complètement de l'endroit. On n'est pas les VIP, quoi. On va avec la plèbe. C'est important. Moi, ça me paraît super important. Tu mouilles le maillot, quoi. Non, mais c'est pas ça. Je pense que vous prenez le pouls de la France, en fait. Vous êtes en train de déformer mes propos, c'est moche.
Donc c'est tout pour aujourd'hui, MDR épisode 2 à l'Alpe d'Huez. On vous embrasse très fort et on vous dit à demain pour la suite de nos aventures. Il y aura des bons films. On vous embrasse. Ciao. Bonjour, c'est Betty Mourinho. 2018 se fait sous le signe de la nouveauté. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi à 19h pour découvrir mon film coup de cœur de la semaine avec à mes côtés un invité. C'est Michel Larocque. Retrouvez-moi dans Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. On a le plaisir de recevoir Baptiste Le Caplain. Bonjour Baptiste. Bonjour. Merci beaucoup François-Xavier de Maison. Je ne peux que vous dire M. Merci. Non, faut pas répondre, merci. Redites-le moi. M. Je prends. Un fauteuil pour deux, chaque mercredi à 19h sur Séance Radio et sur toutes les applications podcast.